Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui nous allons faire un petit DIY. Comment faire un savon éclaircissant et sa lotion au persil et au miel. Je vous laisse alors avec la vidéo. J'espère que vous aimerez. On va se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye. Il nous faudra donc un morceau de savon glycériné, d'un sachet de thé vert, des feuilles de persil, de la poudre de riz, vous pouvez aussi prendre de la poudre de maïs, de la poudre d'avoine. De la poudre de lait, des moules pour nos savons et du miel organique. Dans ma petite marmite, je mets mon persil préalablement lavé, le thé vert, de l'eau minérale et je laisse bouillir pendant environ 5 minutes. Vous laissez poser toute la journée avant de filtrer. On prend le coton comme ceci. Sur lequel je vais appliquer ma lotion. Voilà. Et je n'ai plus qu'à passer sur mon visage comme ceci là. Sur un visage bien propre, s'il vous plaît. Donc une fois que vous avez fini comme ceci là, vous pouvez passer l'autre deux fois. Après, vous allez venir appliquer votre crème hydratante. Là, c'est ma crème à base de carotte. Je vais vous laisser le lien de la vidéo en bas d'infos ou à la fin de la vidéo. Je vais commencer par râper mon savon. Une fois que c'est bien lavé, j'y ajoute mon thé vert. Je vais verser les 250 ml d'eau que j'ai fait bouillir. Je vais couvrir et laisser infuser pendant 5 minutes.
Voilà, j'ai enlevé les tiges à l'intérieur. Dans une assiette, je vais venir verser mon savon râpé. Ensuite, j'y ajoute mon infusion, le reste de mon infusion. Nous allons, une fois que cela est fondu comme ceci, nous allons y ajouter notre mélange de tout à l'heure. Voilà donc ce qu'on obtient. Un mélange bien homogène comme ceci. Nous allons remplir nos moules. Si vous n'avez pas de moules, vous pouvez prendre des récipients plats. Vous pouvez prendre des récipients en plastique et vous mettez du papier film à l'intérieur. Voilà, une fois les moules remplis, nous allons laisser que cela se solidifie bien. Vous pouvez compter 4 à 5 heures de temps pour que cela devienne bien solide. Yeah.